La France, c'est un pays bien uni, qui parle une seule langue, avec une identité nationale propre. Spoiler, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est un cas assez exceptionnel en fait. Après tout, la plupart des pays sont des constructions artificielles. On a un peu pris les gens qu'il y avait dans le coin et on a mis des frontières autour. Tout connement, il y a une partie du Pays Basque en France et une en Espagne. Il y a aussi un bout de Catalogne en France et un en Espagne. Et je sais pas si vous avez suivi l'actualité récemment, mais côté espagnol, en ce moment, ça se passe pas ouf. On a l'impression que ça sort de nulle part comme ça, mais c'est un peu plus complexe que ce qu'on arrive à choper aux infos. Et on va essayer de voir ça comme on peut aujourd'hui. Non, parce que c'est vraiment le gros zbeul. Enfin bref. Catalogne aujourd'hui, c'est une communauté autonome d'Espagne. En gros, elle a sa langue, fait un peu ses bails dans son coin, a sa propre police, ses propres médias, gère son économie, mais fait partie du royaume d'Espagne, et ses citoyens sont espagnols avant d'être catalans. Enfin, légalement, hein. Et juridiquement, ne sont pas indépendants. Mais concrètement, la Catalogne, c'est quoi? Pour y répondre, on va devoir remonter au Moyen-Âge. L'Europe au Moyen-Âge, c'est un bordel sans nom, et un pays, ça a pas la même définition qu'aujourd'hui. En 1162, les comtés catalans s'unissent sous Alphonse Ier de Catalogne et Aragon pour former la principauté de Catalogne. Mais c'est pas un pays uni comme on en voit aujourd'hui, c'est plus une union de comtés indépendants avec pour capitale Barcelone, et se joindra ensuite au royaume d'Aragon. Les deux garderont leurs lois, leur langue et leur fonctionnement individuel, mais ne formeront quand même qu'un seul royaume, un peu comme une coloc. En 1469, Fernand II d'Aragon se marie avec Isabelle de Castille et unit la Catalogne au royaume castillan. Royaume qui prend plus ou moins la forme de l'Espagne qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je vais vite et je zappe plein de détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais gardez juste en tête que la Catalogne a toujours eu une part importante dans l'histoire d'Espagne et a toujours eu sa culture, sa langue et a même un des plus vieux drapeaux d'Europe. Et surtout, elle a toujours plus ou moins pu faire ses bails dans son coin. Jusqu'au jour où soudain, la Seconde Guerre mondiale et son lot de bordel incarné dans le coin par le général Francisco Franco. Oui, ses parents auraient éventuellement pu être plus originaux. Alors, faut savoir qu'en 1931 est mise en place la Seconde République d'Espagne. Le roi part en exil, on fait plein de réformes sociales, tout va bien. Sauf que pendant les années qui vont suivre, le gouvernement va alterner de gauche à droite et personne sera foutu de se mettre d'accord, jusqu'à l'élection du Front Populaire en 1936. Parti de gauche donc, et l'assassinat d'un député monarchiste. De droite si vous suivez pas. À partir de là, ça va être le zbeul total. Tout le monde se fout sur la tronche et vont suivre 3 ans de guerre civile, qui verront émerger une dictature avec à sa tête ce bon vieux Francisco. Et Franky, comme tout mon dictateur, il veut un pays uni derrière lui. Alors des régions autonomes ou je sais pas quoi, c'est pas vraiment bonnard comme idée. Il va rendre le castillan, ce qu'on apprend aujourd'hui en cours d'espagnol, là, obligatoire, exit le catalan, et tout groupement indépendantiste est interdit. Dire à quel point c'est chaud, un des seuls moyens d'affirmer son identité catalane à l'époque, c'est d'aller voir jouer le Barça, l'équipe de foot de Barcelone, qui explique aussi peut-être la rivalité Real Madrid-Barça aujourd'hui. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, Franky, bah il meurt en 1975, c'est la fin du régime autoritaire, et en 1979, la Catalogne récupère son statut autonome. En 2006, on votera même le statut de nation au sein de l'État espagnol, qui donne le droit à la Catalogne d'utiliser son propre drapeau, d'avoir son propre hymne, et remet la langue catalane sur le devant de la scène. Bon, tout le monde suit? Parce que c'est maintenant que ça devient compliqué. En 2010, le Parti Populaire fait annuler le statut de nation catalane et retire la priorité donnée aux Catalans. Mauvaise idée. Plus d'un million de personnes descendent dans la rue à Barcelone pour dire qu'ils sont pas d'accord. Pas terrible pour l'unité du pays. Et vont continuer de descendre dans la rue pendant plus de 2 ans. En septembre 2014, la Catalogne organise un référendum d'indépendance. Et ça permet de montrer l'ampleur de la volonté d'indépendance du peuple catalan. Preuve en est que les partis indépendantistes deviennent eux aussi majoritaires au Parlement régional l'année suivante. Le dit gouvernement lance une procédure qui devra aboutir à l'indépendance de la Catalogne en 2017, bien évidemment encore une fois rejetée par le gouvernement central. Le 9 juin 2017, le président de la région catalane, Carles Puigdemont, annonce la tenue d'un référendum le 1er octobre. Référendum encore une fois déclaré anticonstitutionnel par Madrid. Le parquet espagnol, je retrouvais ça rigolo comme expression le parquet. Ton référendum est anticonstitutionnel, hombre. Oh ben non alors! Ordonne de mettre des amendes à quiconque participerait à l'organisation du référendum, et des salés. Malgré tout ça, les indépendantistes tiennent bon et promettent de mettre en place plus de 2000 bureaux de vote. En face de ça, l'État déploie plus de 10 000 gendarmes. Enfin, la Guardia Civil, c'est un peu les gendarmes espagnols, quoi. Ce qui n'est pas spécialement une bonne idée pour adoucir l'ambiance. Et évidemment, ça va dégénérer. On compte environ 90 blessés côté indépendantiste et des millions de bulletins de vote confisqués. À la veille du vote, les autorités espagnoles annoncent que la moitié des bureaux de vote ont été fermés, mais les indés, ils s'en foutent, ils iront voter quand même. Avec un taux de 43% de participation, malgré l'interdiction, le oui l'emporte à 90%. Mais bon, le gouvernement espagnol a déclaré le référendum anticonstitutionnel, du coup, bah, il vaut toujours que chi.
Vont suivre une grève générale assez vénère à l'échelle régionale et d'autres manifestations. Bon, après, tout le monde n'est pas forcément pour. Hein. Déjà, le roi d'Espagne a dénoncé la déloyauté inadmissible des dirigeants catalans. Et le 8 octobre, c'est au moins 300 000 personnes qui vont descendre dans la rue pour manifester contre l'indépendance. Suite à tout ça, le gouvernement espagnol intime au président catalan, Carl Puigdemont, d'annoncer publiquement le 19 octobre si oui ou non il déclarait l'indépendance de la Catalogne. Si oui, la région perdra son autonomie. Ce à quoi Carl répond 10 minutes avant leur limite. Si le gouvernement de l'État persiste à empêcher le dialogue à continuer la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder, s'il l'estime opportun, au vote de la déclaration formelle d'indépendance, ce qu'il n'a pas fait le 10 octobre. Plus flou, tu meurs. Du coup, Madrid, ben, ça leur suffit pas. Et ce samedi 21 octobre 2017, via l'article 155 de la Constitution, ils ont retiré l'autonomie à la Catalogne. Cet article 155, il dit que si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d'autres lois lui imposent, ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la communauté autonome, et si cette mise en demeure n'aboutit pas, pourra, avec l'approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour le contraindre à respecter ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné. Tout sera géré par Madrid pour une période maximum de 6 mois, le temps de réorganiser des élections régionales et éventuellement avoir un gars un peu plus sympa à la tête de la région, histoire d'éviter de refoutre le zbeul comme ça. Les affaires sont censées continuer comme d'habitude, mais les décisions seront prises à Madrid. Le ministère de l'Intérieur prend donc le contrôle de la police régionale, dont le chef a été destitué, et les finances seront aussi gérées par Madrid afin d'éviter qu'aucun fonds ne soit versé à des organismes ayant des relations avec le processus sécessionniste. Et enfin, les médias locaux seront aussi au contrôle du gouvernement afin de s'assurer de la transmission d'une information véridique, objective et équilibrée. Selon Mariano Rajoy, l'autonomie n'est pas suspendue, mais la loi est rétablie. Je m'avancerai pas trop là-dessus, mais j'appelle moyennement ça la démocratie, perso. Mais comment on en est arrivé là? Il y a une raison très simple. Déjà, la Catalogne, c'est 16% de la population espagnole, 19% du PIB et un taux de chômage 4% inférieur à celui du reste du pays. Ça te pose le décor déjà. Une région aussi importante qui se barre, ça te fout un pays à terre. Et les conséquences se font déjà sentir. Entre la bourse qui se pète la tronche et les grosses entreprises qui menacent déjà de délocaliser, Madrid chie des bulles carrées. Et c'est pas forcément bénéfique pour l'économie catalane non plus. Ensuite, ça fait à peine 40 ans depuis la fin du régime de Franco, qui a légèrement traumatisé le pays. Autant l'Espagne que la Catalogne elle-même, mais de manière différente. Tellement que l'article 2 de la Constitution espagnole, rédigé seulement 3 ans après la mort de Franqui, stipule que la Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune. Et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles. C'est pour ça qu'ils disent que tous les référendums sont anticonstitutionnels à cause de ce petit bout de phrase fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole. Indissoluble. C'est-à-dire qu'on peut pas le dissoudre. Alors c'est pété comme argument, mais légalement, mais ça se tient. L'identité catalane est toujours forte aujourd'hui, et au vu des résultats des votes, le peuple veut vraiment son indépendance. Mais plutôt que d'en discuter, Madrid reste totalement fermé à toute négociation, ce qui n'est pas prêt de calmer la situation et risque même d'envenimer la soupe encore plus. Du coup, quelle est l'issue pour la Catalogne? Pour l'instant, elle fait partie de l'Espagne, elle a même temporairement perdu son droit d'autonomie. Mais pour combien de temps? Est-ce que le peuple catalan, qui s'est tant mobilisé pour son indépendance, laissera passer ça comme ça? Et sinon, comment est-ce que ça va se régler? Pour l'instant, la majorité est favorable au dialogue, histoire d'éviter d'aggraver la situation, mais l'attitude de Madrid, à la limite de l'autoritarisme, bien que les Catalans aient quand même fait leur bail dans leur coin, faut pas déconner, c'était YOLO leur référendum, risque sûrement de laisser des traces. Carl Puigdemont a jusqu'au 27 octobre pour prendre une décision. Au moment où je boucle cette vidéo, nous sommes le 8 novembre 2017. Ouais, bon, il y a des complications, c'est bon, hein? Et évidemment, il y a eu des retournements dans l'histoire. Bon, déjà, Carl Puigdemont a effectivement déclaré l'indépendance, du coup, le gouvernement espagnol, bah, logiquement, a lancé un mandat d'arrêt à son encontre. 8 ministres catalans pro-indépendance ont déjà été arrêtés, et Carl a fui à Bruxelles. Il parle même de coup d'état du gouvernement espagnol. Le parlement catalan a été dissous et des élections anticipées auront lieu le 21 décembre 2017 pour mettre en place un nouveau gouvernement catalan. Alors, bien évidemment, on attend encore pas mal de rebondissements dans cette histoire, et j'ai bien l'impression que ça va pas être aussi simple à régler que ça. Je doute qu'on en voit le bout tout de suite, et vu la fraîcheur de l'actualité, il faudra sûrement plus de quelques mois pour se rendre compte de l'ampleur de ces événements. Enfin bref.